Christine, alors Christine, depuis ce matin 7h, tu remplis tes petits talons. Est-ce qu'il te reste encore quelques talons? Il n'y en a plus dans les poches, il n'y en a plus nulle part. Alors Christine est bien parmi. Alors attention, on est bien d'accord. Le premier tirage, le premier coup de téléphone va être pour la pièce. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Mais non, ça ne peut pas être elle. Ça ne peut pas être elle parce que c'est elle qui, les amis. C'est elle qui va choisir dans les personnes qui sont devant nous une personne qui va venir touiller. Et on va choisir une seconde après pour venir tirer le numéro. Ah non, 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 non. C'est pas Maître Capello, c'est Jean-Paul qui est là et en toute régularité. Donc, alors, on y va. Tu peux choisir déjà une personne. Une petite, un petit. Un petit, non, non, de l'étranger. Là, des gens qui sont devant, comme tu veux. C'est toi qui viens. Alors, attention, tu viens à côté de moi. Alors, pour cela, il faut que tu me certifies devant tout le monde que tu ne travailles pas d'entreprise urbaine. Je ne travaille pas dans... Ah non, non, dans le micro, dans le micro. Je ne travaille pas dans l'entreprise Uriel. Monsieur Uriel, pouvez-vous me confirmer que cette petite personne ne travaille pas chez vous? Je confirme. Vous confirmez sa neutralité? Alors, attention. Puisque c'est sa neutralité, attention. Je rappelle bien que le tirage va se faire maintenant. On est bien d'accord. Le premier coup de téléphone, c'est pour la pièce à 84 macarons, c'est ça? Moins de 100 macarons. La deuxième appel sera pour la pièce de plus de 160 macarons. Il faudra que la personne qui est au téléphone, que je lui fasse dire, je lui demanderai si elle est passée ce matin, logiquement elle est passée ce matin, je lui demanderai, je la ferai parler, il faut qu'à un moment ou à l'autre, elle me dise macaron, puisque c'était une matinée macaron. Parce que sinon c'est facile, moi je prends, je mets le nom de ma belle-mère, je lui envoie le billet, ma belle-mère n'est jamais venue, que si elle est venue, elle le sait. Alors attention, je retire le couvercle. Tu confirmes qu'il n'y a plus de billets à mettre? Écarte tes doigts qu'on voit bien, t'as rien, tes poches, tu les retournes. Alors attention, on ouvre la boîte, je l'ouvre devant vous. Il y a Maître France Télécom qui va surtout, Monsieur Télécom, surtout s'il n'y a personne qui gagne, vous ne faites pas de dépression, vous restez svelte et on rappelle un autre numéro. Il nous faut un stylo, monsieur. Monsieur Mavel. Eh bien, je vous présente la patronne. Vous en voulez une autre, monsieur Mavel? Vous avez commencé à déjeuner? Ah, on a fini, même. Ah, vous allez avec le dessert avec vous, et c'est bon. Donc, monsieur, madame Urel, voilà monsieur Mavel. Attends. Madame Urel, puis-je vous voir un instant? J'ai quelque chose à vous demander. Eh bien voici monsieur Mavel qui a gagné les 84 pomperlingots. Et monsieur du premier coup, les macarons. Attends une photo. Voilà. Vous avez vu dans la rue. Vous avez vu. Attends, je suis tellement doué. Prends la photo. Vas-y. Non, non, mais prends la photo, toi, parce que je suis pas doué, moi. Toi, tu vas faire mieux que moi. Vous habitez où, Monsieur Mavel? Non, non, mais vous ramenez, enfin, mais avant de ramener, vous consommez. Ah, tout. Une petite photo. Oui, c'est tout en chocolat. Tout en chocolat. Ah, bah oui. Patrice Mireille. Mettez-vous chaque côté du client. Et pas près du photo. Monsieur Urel, voilà. Les talonnettes. Comme Charbon, les talonnettes. Rien sur Oui. Merci. Les deux clients maintenant, les deux autres. Il y en a un qui bouge. Et la grosse, c'est le VRP qui l'a gagné.